Salut les Vapers, ça rage de retour, encore deuxième review de la journée, enfin l'autre c'était hier soir très tard. On est vendredi 13 mars maintenant, il est 21h48 et 30 secondes. Review matos ce soir un peu spécial. Je crois que j'en ai jamais fait. Review Drip Tip ce soir. On va parler de la nouvelle gamme de Drip Tip de Vaprod, les Drip Tip Collection 2015. 7 modèles, j'ai eu le plaisir et l'honneur immense de recevoir les 7 modèles. Alors en fait, je ne sais pas pourquoi, mais Gilles de Vapstore m'avait dit de choisir un modèle. Et j'ai reçu les 7 modèles, excellent. Je soupçonne David de Vaprod d'avoir dit à Gilles d'envoyer à Arrache les 7 modèles pour son anniversaire. Je ne sais pas si c'est l'effet 40 ans d'Arrache. En tout cas, merci les mecs, super cool. Donc je vais vous montrer ça en détail, review Drip Tip, pourquoi pas. Surtout que ce sont des drip tips un peu particuliers, modulables, super sympas. Donc on va voir ça tout de suite en gros plan. Puis je vous les montrerai sur différents setups vite fait. Ça va être une review assez courte. C'est parti, gros plan. Donc nous voilà en gros plan sur les 7 boîtes identiques. Hein. Alors on va s'attarder un petit peu sur le packaging parce que, comme à son habitude, Vaprod nous a fourni un petit packaging aux petits oignons avec ses drip tips. Au pif, la première qui vient, elles sont toutes identiques. Hein. Donc un petit carton comme ça. Essayer de faire un petit effort sur la mise au point. Donc on va passer en manuel et on va faire comme on peut. Un petit, une petite boîte coulissante dans une partie en carton comme ça, trouée d'un trou. Nickel, avec une petite étiquette, le nom du modèle de Drip Tip, le nom de la personne qui l'a contrôlé. À Taïwan, j'imagine, et un petit dessin de l'embout. Voilà, très sympa. Et à l'intérieur, une petite boîte en mousse expansée, comme ça, polystyrène expansé, je sais pas trop, une matière de ce style, avec un logo, le logo Vaprod gravé, j'imagine, au laser dans cette mousse qui donne un deux noirs différents. C'est très très beau. J'aime beaucoup ce logo qui a été designé par un tatoueur, je crois. Si mes souvenirs sont bons de ce qu'on m'avait dit à l'époque. Très sympa. VP. Et donc, cette boîte en quinconce, comme ça, deux boîtes, deux parties identiques qui se mettent tête bêche. Avec cinq petits emplacements. Tac. Très sympa. Et donc, les sept drip tips auront en commun les pièces du milieu, c'est-à-dire deux O-ring en spers, les fameux O-ring Vaprod bleus. Foot grade résistant aux pluies et compagnie. À noter la base du drip tip avec deux O-rings préinstallés, un filetage et une petite extension rallonge de 5 mm. Je crois, vérifions ça tout de suite, ce sera fait. Il me semble qu'elle fait 5 mm cette extension. Pile. Donc, et donc les 7 auront en commun ces 3 pièces-là, enfin ces 3 emplacements-là, et de part et d'autre, l'embout différent pour les 7, une version stainless, une version Teflon PTFE, stainless 316L à noter également. Et donc voilà les deux embouts qu'on met au choix, ce qui nous fait 4 configurations possibles avec ces drip tips. Je m'explique, on prend la base, et puis on prend un embout. Alors on va commencer par le SS. Donc ici c'est le modèle Pop qui est un modèle court avec un petit bec en haut, petit bourrelet en haut. Et donc voilà le premier modèle. Alors que pour être bien complet et pour vous aider si vous êtes intéressé dans votre choix, le Pop en configuration mini fait environ 8 mm et même 8 mm.
Et si on rajoute l'extension, il va donc en faire 8 plus 5, 13 mm à l'extension qui vient se visser impeccablement sur la base. Et on vient visser au bout, soit l'embout SS pour un deuxième design, soit l'embout Teflon PTFE pour un troisième design. Ça se visse très très bien, vous avez vu. Sur les 7, j'en avais 2 où j'ai eu du mal à choper le filetage, donc j'y suis allé doucement, je suis revenu en arrière, j'ai cherché, et une fois que c'est rentré, ça forçait un poil, mais tant qu'on est bien droit, c'est que voilà, ça reforme bien le filetage, et plus de soucis depuis. Et donc voilà, une troisième config, la quatrième config étant la version PTFE courte. Que je vais vous faire vite fait, je vais pas vous faire ça pour les 7 hein, évidemment. Voilà la version PTFE courte, très sympatoche. Fait chier le blanc, c'est pas facile hein. Et donc pour l'exemple vite fait, ici au pif au hasard sur un Typhoon, aïe aïe aïe, pas facile. Enfin voilà quoi. Au niveau du bord, au niveau de l'ouverture de ces drip tips, alors ils sont signalés à 6,5 mm, ce qui est juste énormissime. Sauf que j'ai vérifié, effectivement, ils font bien 6,5 au cul. Alors, hop. Juste au cul, là on voit, c'est à l'envers. 6,4, bon, ça dépend un peu où on le prend. Mais il y a un léger rétrécissement, on va essayer de le voir d'ailleurs. Normalement on le voit. Vous voyez, il y a une espèce de... Une fois qu'on est au-dessus des drip tips, des O-ring, pardon, qu'on arrive au filetage, il y a un tout petit décroché en biais. Et ce qui fait que le vrai bord de ces drip tips se prend plutôt ici. Et pour le coup, il sera tout droit, sans coude ni rien, jusqu'à l'embout. Et donc le bord réel de ces drip tips et de... Eh merde, pas facile. 5,8. Vas-y. 5,8 précisément. Donc c'est très très bien, 5,8. Rares sont les drip tips qui font 5,8. Donc, juste que je vous le montre vite fait en version longue. On voit bien que ça fait 5,8 jusqu'en haut. Et pour voir ça, enfin voilà, croyez-moi, ça fait 5,8 de là jusqu'à là. Et bon, ça s'évase un petit peu en bas, mais on s'en fout hein. Le plus petit faisant foi. Donc voilà, à noter quoi d'autre? Que ce sont pas les drip tips les plus tight que je connais, c'est à dire que ils tiennent très bien, du coup du fait qu'il y ait deux O-ring, ça tient super bien, pas de souci. Mais ils rentrent facilement et ils sortent facilement. Certains drip tips, faut carrément y aller tourner, là ça y va très bien sur tous les atos. Ils ont essayé de faire en sorte, ils m'ont dit, que ça aille sur tous les atos très très bien, notamment les origines de notre ami Norbert, qui ont tendance à être un petit peu serré. Je l'ai pas là sous la main, mais ça va très très bien. Bon, et vu qu'il y a deux O-ring, ça tient bien, ça branle pas des masses quoi. Ça peut branler parfois selon les atos, mais vraiment léger quoi, hein. Je chipote. Hein. Vous me connaissez, je chipote. Donc voilà pour le premier, le pop. On va faire plus court sur les autres, sinon ça va durer 3 plombes et demi. Tac, je remets tout dans son emplacement. Et je vous montre les 7 modèles rapidement. Donc le pop, c'est fait. On va faire vite fait les 3 modèles un peu standard, droit. Qui sont le S pour small, le L pour large et le M pour medium. Ces trois là sont relativement similaires. On va mettre une mise au point automatique, F1,
Écris-moi ma mise au point là. Bitch. Le S. Hop. Le M pour médium. Hop. Et le L pour large ou longue. Ici. Donc vous allez voir que on a pour le S deux petits embouts très très courts qui doivent faire 5 mm. 5,4, 5,5 pour le S, 8 pour le M et 12 pour le L. On va montrer les SS, ça rendra mieux. Je vous montre juste les embouts S, M, L. S, M, L. Donc design tout à fait droit, sympa, moi j'aime bien. J'avais choisi d'ailleurs le M quand Gilles de WebDapStore m'avait dit choisis-en un. J'avais passé une demi-heure à me décider, j'avais pris le M. Donc exemple, on va prendre le médium. Pour un petit drip type droit, très beau, de 8 mm. Ou de 8 plus 5, 13 et tutti quanti. On va le faire avec extension et téflon. Moi j'aime assez mettre l'extension et le téflon en général. Alors vissage du téflon, vous allez voir c'est quand même nickel. Faut pas forcer, ça y va tout seul. Donc comme ça il est quand même très très beau. Avec le métal qui ressort un peu à l'intérieur. Et on voit, hein, il n'y a pas de cran, il n'y a pas de marche. 5-8, boum. Exemple, on va le mettre sur, allez, sur le Delta 2. Excellent. Sur le Delta 2, par exemple, l'ouverture du Delta 2 est très large. Mais ça tient quand même. Par contre, si je veux tenir par le drip tip, ça va pas tenir. Surtout avec une RDNA qui pèse un âne mort. Donc voilà, pour le S, le M et le L. Le téflon, hein, on voit, il n'est pas super épais, alors attention, hein, les filetages, je sais pas, hein, dans le temps comment ça va faire. On les voit, on les voit pas. Hop. Ça va être difficile, on les voit. Bon, y a un petit peu de crasse, je les ai nettoyés pourtant avant la review. Donc c'est quand même de l'orfèvrerie, hein. C'est des petites pièces, mais encore une fois, j'ai aucun sous-sarré. Ah, ce que j'ai pas montré, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une petite gravure entre les deux O-rings. Alors attendez, on va faire un super gros plan. Genre là, ça devrait pas être mal. Où est-ce qu'elle est cette gravure? Vape Prod, c'est rigolo, c'est Rikiki entre les deux O-rings, quoi. Les mecs aiment se faire chier. C'est sympa, j'aime bien. Voilà pour les SML. SML. Ça en fait 3 de plus. Il en reste 3 au design un petit peu plus compliqué, entre guillemets. Donc on avait vu le pop en premier. Le M. Je vais remettre ça quand même dans leur boîte rapidement. Hop. Il nous reste, hop, 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 le Curvy, le VP et le Gilor. On va faire le Curvy, contrôlé par Iris, toujours un petit bec comme ça de canard, toujours pareil. Ah, j'aime assez celui-là, on pose ses lèvres bien dans ces courbes-là et la longueur de celui-ci fait 12 mm, donc 12 ou 17 avec l'extension. Allez hop, un petit essai rapidement. Alors celui-là par exemple, donc très incurvé comme ça. À noter que le stainless est poli, hein, pas brush. Peut-être une version brush à venir, je ne sais pas. En tout cas, ils sont tous polis. Hein. Et celui-là en haut est pas droit, il est même évasé, quoi. Donc peut-être pas mal sur un dripper par exemple. Et ça tient bien. Hein.
Là, je tiens par le drip tip, ça tombe pas. Bon, je prends pas le risque de trop secouer, mais ça tient. Et donc, une grosse ouverture pour dripper celui-là, très bien. Petite puff en passant. Donc, voilà pour le curvy. Curvy ou curvy téflon. Hop. Un vrai tremblement celui-là. Donc le curvy, il en reste deux. On va faire le Gilor. Gilor, pour ceux qui le savent pas, est le pseudo d'un photographe, Gilles, je ne sais plus son nom, bien connu dans le monde de la vape, qui shoot beaucoup de produits pour des fabricants. Je pense notamment, exemple, hein, je pense qu'il y en a énormément d'autres, mais je sais qu'il a fait des photos pour Gus. Il a fait des photos pour Vapepro, évidemment, et il fait des photos pour le Richelieu également, et depuis longtemps, hein, de plein de produits depuis plusieurs années. Donc j'imagine qu'il a collaboré et qu'il a donné son design pour le Gilor, qui ressemble un peu au Curvy vite fait de loin comme ça, mais non. Il est comme ça, le Gilor. Il est moins curvy que le Curvy. Il est un peu droit tout en bas comme ça, une petite courbe et un petit bec en haut, un peu à la pop mais plus accentué. Il est sympa. Sympa comme tout. Exemple sur le Subtank Nano au pif, hein. Chacun trouvera ses assemblages esthétiques. Donc je disais, c'est poli, hein. Donc les atos sont souvent mat, mais pour le coup on peut justifier de retrouver le poli de la box. Tac, poli, bon, mat, poli, et puis on s'en fout, c'est beau ce poli. Très agréable ce Gilor. Très chouette. Et le dernier. Je range le Gilor dans sa boîte. Allez, dans la boîte Gilor. Hop. Le dernier qui est le VP pour Vape Prod, évidemment. Le VP. Qui est sûrement le plus travaillé. Parce que, putain de DNA, enfin bref, on s'en fout. Pourquoi le plus travaillé? Parce que, tac, il est droit en bas avec un petit décroché, un petit rebord, on voit, c'est... et donc, DVP gravé tout autour. Alors gravé, on sent rien, je sais pas comment c'est gravé. Sûrement au laser. Et puis au-dessus, on a un petit bec, un petit peu le pop, là pour le coup, vraiment comme si le pop était posé sur une petite base droite. Très sympa aussi. Et la version Teflon, elle évidemment n'a pas de gravure. Manuel. Mais la forme est la même. Comme pour les autres. Hop. Sympa le VP. Sur quoi je peux mettre le VP? Je ne sais pas. Sur le Big Subtank. Pour le coup, il tient super bien sur le Subtank gros. Et là, j'hésite pas à le tenir. Pourtant, le combo en dessous est lourd. Donc vraiment, ça dépend des atos. Hein. C'est ça qui est un peu chiant, quoi. Il faudrait vraiment qu'il y ait un standard aux petits oignons prévu pour les emplacements drip tip.
depuis le temps que la vape est en marche. C'est quand même un petit peu malheureux. Donc on a fait le tour des designs. Évidemment, ce que je voulais vous montrer et ce qu'on peut faire si on veut s'amuser et qu'on en a plusieurs, c'est qu'on peut évidemment additionner les extensions. C'est-à-dire que si on a les 7, on a 7 extensions comme ça. Alors, en voilà une. 5 mm. Hop. J'en chope une deuxième. Je l'ajoute. Bim. 1 cm. Au suivant. Je l'ajoute. Et ainsi de suite, hein. Je vais pas faire les 7. Voici 15 mm. Et puis on prend un embout. Qu'est-ce que j'ai ici? Tiens, le curvy. En téflon, par exemple. Hop. Vous voyez, j'ai pas trouvé tout de suite le bon filetage. Je suis revenu tout de suite en arrière jusqu'à être sûr d'être bien droit, quoi. Et donc là, j'ai, je sais plus, il fait 8, je crois, plus 15, 23. Avec 5,8 mm à l'intérieur de bout en bout. Et pour le coup, là, ça peut être cool sur un gros dripper. Sur un gros dripper de psychopathe. En parallèle coil à 0,1 ohm. Hop. Pour histoire de ne pas avoir trop de remontée de jus jusqu'à la bouche. Et on va repasser sur ma face. Pour une petite conclusion, c'est parti. Yes, les vapors. Donc, ici, ma petite extension, ma petite version rallongée. 5-8, on peut y aller. Hein. Alors que je fasse pas n'importe quoi. 5-8 intérieur, on peut dripper tranquillement avec ces drip tips là. On a du Longinel pépère. Et puis voilà quoi, c'est cool. Donc voilà une gamme très complète, on a l'embarras du choix, le plus dur c'est de choisir en fait. J'ai eu la chance d'avoir les 7, merci encore les gars, c'est très cool. Au niveau des prix, c'est 18,50 je crois le drip tip. Est-ce que j'ai gardé ça? 18,90 la boîte, bon. Moi ça me choque pas plus que ça, il y a tout un tas de drip tip à plus de 10€, à 15€, même des drip tip très simples. Ici on a un drip tip modulable, on peut faire 4 configs différentes de son choix. 18,90 en stainless 316, du téflon, usiné aux petits oignons. Une boîte au top, deux o-rings en spers. Bon, après évidemment, 18,90 le drip tip, ça peut en faire hurler certains. Moi, c'est pas mon cas. D'autant que je les ai pas payés. Hein. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a intéressé. Aidez dans votre choix, n'hésitez pas, c'est de la bombe, c'est français, c'est produit à Taïwan, mais on s'en fout. Je vous souhaite une bonne vape, à bientôt pour d'autres reviews. Ciao, bye bye. Like,